Akété, village siège de la tribu Lumo dans le royaume Baoulé. La tribu installe son troisième chef. Le neuf chef de la tribu comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel. La tribu est restée sans chef depuis plus de 10 ans suite au décès de son deuxième chef, Nana Kwasi Noma. Cette tribu a pour mission la protection du royaume. La fonction essentielle de la tribu Lumo, c'est de protéger le roi et le royaume qui règne sur tout le peuple baoulé. Nana Kwadjo Dan accède au trône de ses ancêtres après un consensus des populations des 9 villages de la tribu. Le nouveau chef est installé par une délégation de la cour royale de Sakassou. La cohésion entre les filles et fils et le développement de la tribu, les deux principales missions assignées à Nana Kwadjo Dan 2. Il faudrait qu'ils réunissent tous les 9 villages. Parce que y a pas, quand vous vivez ensemble, il y a toujours des petits conflits. Mais s'il a pu gérer ces petits conflits, je pense que c'est le meilleur chef. Le chef n'a pas de parti. Le chef ne fait pas de politique. Le chef est le papa de tout le monde. Alors c'est le rassemblement, il doit rassembler tout son peuple. Le troisième chef de la tribu Lumo mesure l'immensité de sa mission. Je vais m'atteler, bien sûr avec le concours des sages, hommes comme femmes, pour essayer de conduire au mieux la destinée de notre peuple. Et je lance un appel à la mobilisation, de sorte à ce que nous puissions nous comprendre, nous mettre ensemble et aller résolument au travail. Car il n'y a que le travail qui puisse apporter le développement et l'épanouissement. Invitée à cette cérémonie d'intronisation, Henriette Lagou, Koffi Kwaku Delphin de son vrai nom, le troisième chef de la tribu Lumo, est agro-économiste. Nana Kwadjo Dan est marié et père de 4 enfants.